Bernard, donc on est en train de finir les EPS. Donc notre sujet c'est Confluence, c'est sur des fabriques de culture en fait. On a choisi deux lieux, l'Albatros et la Générale à Paris. Et du coup là on est en train de boucler toutes nos dossiers de production. Et donc c'était 6 semaines intensives pour faire ce reportage sur les fabriques de culture. Et mes impressions, j'ai trouvé ça assez sympa de faire ça. C'était la première fois que toute l'école, toutes les options se mélangeaient à ce point-là. Il y avait une ambiance qui était assez agréable au sein de l'école. Et je trouvais ça très fatigant aussi. Là, sur la fin, on commence tous à être un peu à bout. Les EPS, très dur, très 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 dur, mais bien marrant. Une équipe géniale, on s'est bien marré. C'est plus qu'une équipe maintenant, c'est une famille. Donc, mais éprouvant quand même. Et donc moi personnellement, je suis tombé sur un sujet magazine dans lequel je devais traiter du patrimoine parisien. Donc j'ai été en charge d'un reportage qui devait durer approximativement 6 minutes. On était deux en image, du coup je devais faire et le plateau d'introduction et le premier reportage. Et personnellement, je m'en suis très bien sorti. Je pense que c'était une très bonne expérience. Ça m'a permis de mettre un pied, on va dire, dans le monde de la télévision et plus spécifiquement du magazine. Mais ça m'a aussi conforté dans l'idée que je préférerais rester en fiction et plutôt me diriger vers le cinéma après la fin des études. Je l'ai plutôt bien vécu, les EPS, malgré qu'au début, le sujet ne me pesait pas trop au premier abord. Mais au final, c'était plutôt intéressant. Moi, j'étais tombé sur un multicaméra avec comme thème l'économie collaborative. Et ça me fait un peu peur parce que je ne me connaissais pas du tout dans ce milieu-là. Et au final, c'est un sujet plutôt cool et ça s'est bien passé. On est satisfait de notre travail et c'était dur à la fin. Au début, ça a été, même si on a eu beaucoup de travail assez vite, parce que ça, finalement, on a très bien réussi notre phase de préparation. On l'a achevé plutôt rapidement, donc ça nous a donné du fil à retordre dès les premières semaines. Pour moi, j'étais en fiction, ça s'est assez bien passé pour moi, je pense. On verra bien au final, mais je suis assez content de moi, je suis content d'être tombé sur une fiction, c'est ce que je voulais. Ça s'est très bien passé, c'était plutôt sympa, on s'est bien marré. Il y a eu des bons échanges, j'ai appris sur les autres options, comment gérer avec les prods, comment gérer avec l'image aussi, parce qu'avant je me souciais que du son, placer mes micros et tout restait de côté, que pour moi. Puis j'ai appris un peu à m'ouvrir, à faire des trucs professionnels et à bosser dans l'audiovisuel par la suite.